Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'investissement. On va parler de savoir s'il est judicieux d'investir en période de crise. Car oui, on m'a posé la question. On m'a dit, Michael, est-ce que pendant la période de crise, il est judicieux d'investir? Et moi, je vous dirais oui, il est judicieux d'investir en période de crise. Car, comme le dirait un vieil ami, pour ne pas le citer, Winston Churchill, on ne gâche pas une bonne crise. Sous-entendu que pendant les crises, il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup d'affaires à faire. Mais en règle générale, c'est souvent, presque tout le temps, le moment d'acheter. Car il y a eu des moments où il était propice d'acheter, comme maintenant ou comme il y a 20 ans avec la crise de 90. Mais sinon, c'est tout le temps le moment d'acheter parce que sinon, vous allez vous retrouver dans le cas de celui qui disait, ah oui, mais tu savais, si jamais j'avais trouvé un meilleur taux ou si jamais j'avais fait ci ou si jamais j'avais fait ça. Ou un autre ami qui est technicien et qui dit oui, mais attends, j'ai pas trouvé le meilleur taux, j'ai pas trouvé le meilleur montage financier, j'ai pas trouvé le bon courtier, le bon agent. Et ces gens-là, eh bien évidemment, ils ne passeront jamais à l'action parce que dans 5 ans, ils seront toujours en train de chercher la meilleure opportunité ou la meilleure solution pour avoir le meilleur financement.